Bonjour à toutes, à tous, et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Attila Total War. En multi cette fois-ci, je suis avec Rédemption. Bonjour tout le monde. Voilà, j'attendais ton petit bonjour, mais t'as pas fait ça direct, c'est un peu bizarre. Donc, nous sommes ici dans la cité de Rome, et bizarrement, c'est la Rome d'Orient qui est à l'intérieur et la Rome d'Occident à l'extérieur. Donc, mon ami Rédemption va jouer la Rome d'Occident. Ici. Je peux me Et moi, présenter tout la seul. Rome d'Orient. Donc voilà, je vais mettre play maintenant, moi. Hein. Ouais, moi aussi. Voilà, comme ça. Nombreux Étant sont donné ceux que la d'entre vidéo nous a qui été, partent enfin laisser la derrière des partie a contrées été en défendant extrêmement leur peuple, longue, et ben on a un peu, enfin on doit pour faire les passer le défendre temps, une quoi. fois de plus. Nous mourrons pour notre cause s'il le faut. Il y a mon général qui dit Mieux quelque chose. encore, Hein, nous intéressant. aiderons nos ennemis à mourir. Très intéressant. Bon, on présente les Soldats, troupes. ouais. Tenez-vous Je prêts. l'écouterai même pas mon général. Donc vas-y Rédemption, montre-moi. Ouh les belles gerbes. Vas-y, dis-moi quelle troupe est-ce que tu as? Je Donc moi regarde dans j'ai la pris play. deux gros onagres qui font bien bien mal. Enfin, ils vous ont bien fait mal à mes murs, hein, surtout. Ouais, Ah pauvres petits murs. Ils ont ouais. détruit deux murs juste pour un onagre sur les murs quand même. Oui T'as aussi détruit une tour et ma porte. mais je veux dire juste pour choper l'onagre, ils ont détruit deux murs quoi. Ouais, voilà. Bon bref, j'ai pris aussi trois Corneotus Scenarios, un truc dans le genre, bon c'est l'élite des lanciers romains. Et j'ai pris 4 Bastari d'élite de Ravenne, donc des arbalétriers vachement cheatés. Je crois que j'ai pris 6, bah, je suis pas envie de prononcer leur nom, mais épéistes d'élite de la Rome d'Occident. Et mon jeu... Et non, non, j'ai aussi pris des pouilleux lanciers de merde. Et mon général. Mais les noms sont assez compliqués à prononcer sur ce jeu. J'avoue, mais bon, avec ça, tu as pris 5 tours de siège et 2 béliers lourds. Ouais. Donc, je me demandais aussi les arbalétriers, les tiens, est-ce qu'ils sont plus forts que les miens ou pas? J'ai pas vraiment regardé les stats. T'as pris ceux Tout d'élite ou pas? prêt! Les murs sont en Parce avance! que là, il y a un bug en... Ah non! En fait, moi, j'ai pris ceux à 800 pièces, mais toi... Mais j'ai la possibilité de prendre ceux à 950 Sachez que l'ennemi pièces. est en feu! Mais sinon, on a les mêmes. Mais ceux d'Occident peuvent prendre... de meilleurs arbalétriers, mais ça change vraiment pas grand chose quoi. Donc, Ouais, franchement, là, ça a pas changé grand chose ces arbalétriers, pas hein, du parce tout. que ils ont Les servi à rien, forces on peut le ennemies dire. ont détruit une unité entière. What? Ils ont détruit une unité entière? Laquelle? Je sais pas, non, mais c'est les balistes, hein. Ouais, mais. Ah non, il parlait peut-être des murs, parce que j'ai entendu leurs balistes ont détruit une unité entière. Je me suis dit, putain, ils m'ont détruit toute une unité dès le début, je m'en souvenais pas. Donc moi au début j'avais mes 4 arbalétriers qui étaient dans le premier truc de la ville, et en voyant que ça se passait pas très bien, bah, je les ai fait reculer, pas de bol, ils ont marché dans mes pièges. Donc ça c'était assez con à ce point de vue-là. J'ai laissé 2 arbalétriers encore dans cette partie-ci de la cité, ainsi que mes piquiers. Tout le reste est parti donc de l'autre côté des ponts pour pouvoir les protéger. Je voulais faire une baston plutôt équitable parce que protéger les murs pour moi ça aurait été plus facile de mon point de vue que du sien. Donc j'ai reculé bien que les ponts c'est encore assez facilement défendable. Ici j'ai mis des pièges des lits de pierre coupante. Des lits de pierre coupante, désolé, pas coupante. Et des chevaux de frise, j'en ai mis sur ce pont-ci et ce pont-ci. Pour tout simplement essayer qu'ils se fassent mal ou qu'ils soient ralentis s'ils l'attaquent de par là. Ici, on les voit pas trop bien, bien que c'est un peu bombé au niveau de la route, mais vous avez des pièges à pic ici et de l'autre côté là-bas. Il y a d'ailleurs un très très joli feu. Donc, j'ai pris 4 hacheurs, Une tour a enfin été infanterie complètement de détruite. hache, garde de l'étairie. Ouais, c'est des noms bizarres quoi. Donc, garde de l'étairie, donc voici les graphiques qui sont pas mal du tout. Debout C'est à une des droite. meilleures unités que j'ai eu pour l'instant à me défendre contre eux et à utiliser également. Parce qu'il faut savoir que Redemption ici présent adore les utiliser. Il m'a haché menu quelques fois, on peut le dire. C'était pas mal, c'était pas mal. 3 fois en tout. Je l'ai battu qu'une seule fois pour l'instant. Ouais, mais ils sont assez sensibles aux flèches. Donc franchement, moi ce que je fais, c'est que je mets de l'infanterie de merde
pour qu'elle prenne le choc, puis j'envoie directement mes hacheurs, comme ça bah, il défonce tout, de 1, et de 2, si l'ennemi veut tirer dessus, bah, il fera d'office du TK. Quoi. Donc moi c'est ma petite technique qui fonctionne assez ouais, bien. Il faut savoir que le TK se fait beaucoup plus facilement dans ce jeu-ci que dans Rome 2. Hein. Parce que les archers apparemment sont moins précis à longue distance, on va dire. T'as combien toi niveau temps? Parce que j'ai dû régler un paramètre. Je suis à 30,5. Ah ouais, moi je suis à 32 donc. Donc ici, donc j'ai deux piquets, j'en ai mis un derrière ce pont aussi. Donc formation de pique qui est. Enfin, j'aime bien la regarder. Mais on va voir plus tard que les piquets se font dégommer assez rapidement par des javelots ou. Des flèches. Ils sont sensibles et tout. Ouais, simplement. Ouais, ils sont super sensibles. Bah, il m'a détruit cette unité ici assez rapidement, on va dire. Là, on peut voir qu'il a déjà détruit deux parties de mur, trois parties de mur ainsi qu'une tour. Et ma baliste aussi, je crois. Ouais, la baliste en a pris un coup. Et il a foutu le feu à deux quartiers de ma ville, ce que je trouvais inacceptable. Mais la propagation du feu est franchement pas mal du tout. Ouais. Je sais pas si ça fait des pertes d'unités, mais aussi les graphismes niveau. Les boulets enflammés sont vachement mieux faits que sur Rome de Total War. Ça, je trouve que c'est bien. Enfin, personnellement, là, j'ai rien à dire. Moi, je trouve personnellement que le feu, le fait de foutre le feu à une ville, s'il y a une unité qui se trouve à côté, ça devrait pouvoir foutre le feu à cette unité-là aussi, tu vois, et faire des dégâts. Mais c'est pour ça qu'il faudrait vite fait se replier et se battre un peu plus loin. Et du coup, ça ferait une guerre de mouvement assez terrible et ça mettrait du mouvement dans le jeu, ça serait bien, quoi. Moi, personnellement, je dirais pas non à ce niveau-là. En tout cas, le fait que la porte ait pris feu, a explosé, ça a fait 8 de dommages. Enfin, il y a eu 8 pertes dans mon unité de piqué. Ouais, il faut jamais les mettre trop proches des murs quand ils sont prêts à céder, parce que tu vas toujours avoir des pertes comme ça, c'est assez embêtant. Mais en fait, les piquets, faut savoir les gérer, parce qu'il faut les mettre au contact au bon moment, parce qu'ils sont assez fragiles. Et moi, ce que je fais, enfin toi aussi, au City, c'est qu'il faut mettre des piquets puis juste devant des épéistes, et là franchement c'est quasi impassable pour tout type d'unité, que ce soit des éléphants ou bazar. Ouais, je faisais ça dans Rome 2, Rédemption aussi, mais apparemment ce jeu-ci est beaucoup plus compliqué au niveau des batailles en temps réel, parce que dans Rome 2 j'étais plutôt bon, on avait un ratio de 1 pour 1 à peu près. Et dans celui-ci on peut dire que je me fais complètement éclater, quoi. Oui, mais j'ai l'impression que certaines unités sont vachement plus sensibles aux flèches et d'autres pas du tout. Et aussi un truc que je trouve dommage, c'est que les Romains n'ont plus les bons vieux légionnaires qui étaient vachement pas mal. Ils ont la Lego, hein, quand même. Hein. Oui, mais je veux dire, c'est pas comme la garde prétorienne, quoi. Enfin. Ouais, mais la Lego est terrible quand même. Bon, je reprends mon truc des unités. J'ai aussi 3 infanteries de mêlée qui sont quand même assez bonnes. Malgré tout, elles n'ont pas vraiment vu le combat. Enfin, il n'y a pas eu réellement de combat avec ces unités-là. C'est plus avec les hacheurs que je me suis bien battu. Mais... Non, mais tes épéistes m'ont vachement fait mal, hein. Ils m'ont souillé. Hein. Ouais, mais c'est plus les hacheurs qui m'ont souillé. Ici, j'ai aussi derrière 2 Auxilia Palatina Oriental. Donc, ce sont des unités de lanciers qui ont en fait tenu le choc sur ce pont-là. Donc, je vais bientôt les faire rediriger vers ce pont-là pour tenir le choc de l'armée ennemie le temps que mes autres unités arrivent, en fait. Parce que je pensais qu'il allait répartir ses unités par différents ponts et essayer de me faire céder quelque part. Et ben non, il en est rien, il va tout mettre sur un seul pont. Et ça a marché au début, jusqu'à ce que je ramène des renforts. Renforts qui étaient déjà un tout petit peu épuisés, parce qu'ils ont dû faire la longue traversée depuis de l'autre côté jusque là-bas. Tu le voyais pas à ce moment-là, mais tous mes hacheurs étaient vraiment de l'autre côté de la ville, quoi. Mais j'avais à un moment ramené mes lanciers les plus mauvais, voir du côté des deux autres ponts à ma gauche, donc à ta droite, pour voir ce qu'il y avait. J'ai vu 3 unités d'hacheurs, donc je me dis je vais un peu pousser, quoi, mais ça n'a pas trop fonctionné.
Et niveau temps, t'es où toi? Parce que comme j'ai eu un petit problème. 26,4, enfin 26 et 35 secondes maintenant. Ok, je te Donc rattrape d'ici. je vois ton armée qui commence à avancer, tes arbalétriers qui font demi-tour, je comprends pas trop. Mais en fait, c'est qu'ils étaient à portée et je voulais envoyer mes gros zonags prendre les tours, mais enfin, comme les tours sont vachement cheatés sur ce jeu, bah, c'est ça. Oui, j'avoue, à Rome 2, les tours étaient déjà pas mal, hein, parce qu'elles faisaient une paire de partir. Celle-ci, je dirais plutôt qu'elles en font deux, voire trois. Donc les tours ici sont très très durs à prendre. Et par contre, une fois qu'on les a pris, enfin, elles se détruisent, donc tu peux pas reprendre l'unité pour toi. Ouais, Et et oui. franchement, à ce niveau-là, je trouve ça bien pour les défenseurs de la cité, parce que enfin, voilà quoi, ils ont un super truc parce qu'ils ont moins d'argent, du coup les tours c'est impératif de les avoir. Mais c'est un peu trop en fait, parce qu'elles font vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de dégâts. Oui, mais ce qui est bien, c'est que ils ont quand même enlevé beaucoup plus d'argent. Proportionnellement à celui qui est défenseur et attaquant, et c'est beaucoup beaucoup mieux parce que maintenant, quand on défend une ville en ultra, en fond ultra, on était peut-être entre 15 et 20 troupes, mais là on est plutôt entre 10 et 15 troupes, ce qui est pas mal. Et la propagation du feu n'est pas fait que par l'artillerie, les archers aussi peuvent faire la propagation du feu, c'est assez cool. Et les tours également, d'ailleurs, on va voir plus Ouais. tard hein, que les tours peuvent foutre le feu à leur propre ville. Alors, ici, je n'avais pas compris directement parce que il avait fait des trous partout dans mes murs, d'accord? Et il envoyait ses tours. Alors, je comprenais pas trop pourquoi est-ce qu'il envoyait ses tours. Et après, j'ai compris qu'il voulait tout simplement limiter les pertes qu'il aurait en attaquant directement, justement à cause des tours. Et du coup, c'était une très très bonne stratégie d'utiliser ses tours de siège pour limiter les pertes de son armée. Donc là, je dis bravo quand même. J'y aurais pas pensé tout seul, moi personnellement. Je risque de le faire la prochaine fois. Et il y a un petit bug sur cette map qui me marque un peu, c'est les Ici, gros les bateaux, deux tu vois. îles se Enfin, les gros bateaux, retirent pour comparé aux retourner au ponts, je me pont. demande comment ils sont faits pour passer. Ça me fait rigoler, ça. C'est vrai que théoriquement les bateaux ne pourraient pas passer ces ponts, Ouais, mais il y a quelques trucs quand à même moins illogiques. qu'ils dévissent le mât, et encore la coque, je crois qu'elle est trop large. Ouais, c'est vraiment limite. Ou alors, c'est quand. Peut-être que là, c'est un moment de crue, je sais pas. Un moment de crue pour passer au-dessus des ponts, c'est ça? Non, non, justement, et quand ce sera plus la crue, ben l'eau pourra baisser. Enfin bon, bref, on s'en Ben bat les non, couilles. mais t'as vu la profondeur du lac? C'est pas possible. Enfin, Du du lac, lac. du fleuve, désolé. C'est vrai que. C'est pas assez profond Ouais. pour faire ça. Mais n'empêche, les bateaux sont vachement beaux. Ils ont bien été modélisés, je trouve. Je trouve qu'il y a quand même un petit plus comparé à Rome. Ouais, Un graphiquement, petit il y a plus. un sacré plus, moi je trouve. Déjà, rien que le feu, il est magnifique. Il est vraiment, vraiment bien fait. Ah, il est bien foutu. Les unités ont à peu près toutes des têtes différentes. Ouais? Ouais, j'ai l'impression, ouais. Gaspi va être Quand. content. Gaspi va être content, en effet. Il y en a certaines qui se ressemblent, sinon, franchement, dans une seule unité, les têtes sont à peu près toutes différentes, j'ai l'impression. En fait, c'est juste le même modèle, je crois, mais juste avec des détails, genre une petite griffe par là, un peu de poussière par-ci. Juste. Et Bah, là, il il y y en a a sur le certains qui ont mur. des barbes, il y en a d'autres qui en ont pas, il y en a des qui ont des moustaches, d'autres qui en ont pas. J'en ai même vu un moment hein, qui avait pas de casque, je sais pas où il est. Et voilà, il y a ma Herculinia Senores qui monte sur le mur et quand elle a repris totalement la tour, bah, il restera un quart de l'unité. Oui, alors faut savoir que dans Rome 2, bah il y a enfin la tour ne se détruisait pas quand on la prenait, du coup il ne savait pas ce truc-là. Moi je le savais parce que j'avais déjà fait une fois un truc comme ça et je me suis dit tiens, mais pourquoi la tour s'est détruite? Alors j'ai imaginé plein d'hypothèses et c'est en voyant une deuxième fois la même action que je me suis dit ah en fait la tour elle se détruit dès qu'on a pris le truc quoi. Donc là il va réussir à prendre la tour, mais pas de bol, elle va s'effondrer sur lui, ce qui Non va mais lui point. donner à peu près on va dire 70% de perte de son unité quoi. Il lui Ouais. restait plus qu'une trentaine d'hommes dedans et c'était assez moche de ce point de vue-là, je trouve. Ouais, franchement, c'est dommage, c'est Donc dommage. ici on a mes deux infanteries de lanciers qui sont arrivées de l'autre côté de ce pont-ci pour le protéger. Ici on peut voir les civils, je sais pas si tu peux les voir toi, moi je les vois en tout cas. Ouais. T'as combien autant? Comme ça on est bien synchro. 21-48. À l'aise, j'ai 3 secondes de plus que toi, je crois.
Oh, c'est pas grave, 3 secondes, c'est pas très très important. Donc Regarde. franchement, les civils, il paraît qu'ils défendent aussi leur cité une fois que les unités ennemies sont tout près. Je vais faire attention cette fois-ci, j'avais pas eu l'occasion lors de la partie, mais j'aimerais bien voir au moins tes unités se faire taper par des civils, ça devrait être génial. Oh, regarde mon unité à 31. C'est mon unité d'élite en plus. Ah ouais, ça c'était vraiment très très moche. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai un peu rigolé de mon côté. Je me suis dit, ah bah c'est con. Et en plus, il devait retourner de l'autre côté sous le haras des flèches de l'autre tour pour pouvoir descendre, ce qui était doublement plus moche. J'aurais peut-être dû l'avertir que les tours tombaient, mais. Enfin, Ouais, mais ça aurait nu mon effort de guerre, voilà. ça aurait rien changé, je crois. Ouais, Je suis pas sûr. enfin non, une fois que t'es. Si t'étais en dessous, si tu l'avais pris d'en dessous. Quand la tour s'effondre, t'aurais eu aucune perte parce que tu es en Si dessous. tu le dis, Alors que j'enverrai peut-être, j'en sais rien. quand t'es sur le mur, en fait, c'est quand t'es sur le mur que tu prends les pertes. N'empêche, la destruction des tours est quand même assez bien foutue, hein, je trouve. Quand on voit le petit mur là qui tient à peine, les centaines de gravats qui sont dans le truc, des morceaux de toit qui sont imbriqués dans la destruction, c'est quand même pas mal. Le seul petit bémol que je peux dire, c'est que les deux tours, la destruction est pareille. Quand on Ouais, regarde ouais, ouais. les deux tours, c'est exactement le même design, quoi. Ils ont pas changé à ce niveau-là. Et ça, c'est assez moche. Ça c'est vrai, ça c'est. Ils auraient pu faire un truc qui changeait en fonction de la destruction des deux tours de la porte. Hein. Faut dire aussi que les tours sur les côtés, eux, ils ont pas le même design de destruction. Donc on voit beaucoup plus les ponts de mur. Voilà. Et cette tour-ci, que je note tout particulièrement, parce que cette tour-là a pas arrêté de tirer sur Rédemption depuis qu'il était occupé à passer en plein milieu de mes pièges, jusqu'à l'attaque sur mes lancers, et ils n'ont pas arrêté de lui tirer dessus et lui ont fait énormément de pertes. Et mais tu vois, tes lanciers, c'est pas des mauvais lanciers, hein. Ils sont quand même bons ces lanciers. Tu m'as dit que c'était nul, mais non, mais ils sont bons, enfin. Ils sont. Franchement, ils ont des stats pas dégueux. Mais comparé à leurs stats, ils ont pas fait énormément de pertes. Mais c'était mon élite aussi, donc c'est un peu normal. Bah ouais, mais je me disais, ouais, ils tiennent un truc quand même assez exigu, donc tu peux pas déployer ton unité au maximum. Ce sont des lanciers, donc ils étaient censés résister bien au choc et tout le bazar. Et au final, ils ont pas fait énormément de pertes, hein, comparé à ce qu'ils auraient pu faire. Ouais, mais ils ont quand même bien servi, moi je trouve ils ont bien retenu parce que moi enfin je voulais directement péter tes lanciers et t'envahir dans toutes les ruelles, mais ils m'ont blindé retenu, ça m'a blindé fait chier, enfin. Bah c'est clair que ça m'a donné le temps en fait de ramener mes arbalétriers, mes troupes d'infanterie et également mes hacheurs. Donc là on peut voir que j'ai deux troupes d'arbalétriers et des piquiers qui ne bougent pas depuis à tout à l'heure, ils attendent tout simplement l'ennemi. De l'autre côté, mes troupes elles ne bougent pas en fait, je suis resté extrêmement stationnaire en attendant l'ennemi qui vienne un peu partout. Au début je maintenais quand même un certain espoir parce que je voyais ici les deux troupes, donc ces deux troupes d'élite ici qui étaient quand même relativement proches de mes piquets. Je me disais, ouais, ils vont tenter un contournement, je vais pouvoir envoyer d'autres unités par le pont, faire un truc nasty et tout. Et en fait, non, il va tout simplement se replier et attendre. Attendre que les deux unités de lanciers que j'avais là-bas soient mortes pour passer, tout simplement. Et j'avoue qu'à ce niveau-là, je me suis dit, eh merde, il va rien faire. Et moi, j'attends depuis là tout à l'heure. Donc là, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que j'attendais l'action, en fait. Et elle n'est tout simplement pas venue. Ouais, mais je veux tout simplement te déborder, hein. Bah, à ce niveau-là, t'as quand même assez bien joué. T'as débordé deux unités. Le reste, c'est moi qui ai bien fait l'encerclement et tout. C'est mes hacheurs qui m'ont sauvé à ce niveau-là. Pour l'instant, ils ont toujours pas bougé, hein, donc ils ont vraiment dû courir jusqu'à ton truc. Ils étaient déjà à moitié à bout de souffle quand ils sont arrivés, donc voilà. T'avais encore moyen de pouvoir déborder mes hacheurs et les réduire en charpie. T'avais mis toutes des unités dessus, mais du coup, j'aurais pu te faire des sales encerclements avec mes autres unités. Donc ici, on peut voir que mes arbalétriers et ma. Mes piquets ont commencé à bouger.
Et on sort sous Itibiki. Pour pouvoir tout simplement attaquer les autres troupes, étant donné que je voyais que Redemption voulait pas bouger, donc il a fallu que je fasse le premier pas. Donc là, c'était mon action pour faire le premier pas. Et je me disais, ouais, ils sont commencé à avancer, je vais me mettre en position là, j'ai pu bouger, je vais les attendre. Et ben, en fait, ils sont jamais venus. Et franchement. Oh, ils sont souillés! Ouais, ils se sont fait extrêmement mal. J'aurais dû en fait continuer ma charge et pouvoir les prendre, parce qu'au corps à corps ça aurait fait beaucoup plus mal. Mais là en fait j'ai tout simplement pas bougé. C'était très 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 con de ma part. En 3 self t'as perdu 3 quarts de ton unité quoi. Oui, oh. Donc les pilums des troupes sont absolument cheatés, que ce soit celle des Romains ou Mais c'est surtout mes arbalétriers qui t'ont fait mal, hein. C'est surtout ça. Non, les pilums sont franchement terribles. Par contre, mes arbalétriers qui étaient juste derrière ont fait quand même en une salve 8 morts dans la première unité, ils ont foutu le feu. Je trouvais ça assez beau. Bien que ce soit une troupe d'élite, hein, elle s'est quand même pris 8 hommes, c'est pas habituel. C'est quand même mon élite, hein, mais là on peut voir qu'un tir direct ça fait 8 morts, tandis qu'un tir en cloche ça ne m'a fait que 2 morts, donc on voit toute la différence. C'est pas un paramètres qu'il faut laisser. Les tirs directs sont vraiment redoutables. Donc ici, pendant que mes piquets étaient au cac contre l'autre, là j'ai vu son infanterie de lancer arriver, donc j'ai tout simplement retiré mes arbalétriers. En plus, mon infanterie de... Enfin, mes piquets, ils avaient plus de troupes, donc ça servait à rien que j'essaye de tenir la position, j'aurais rien pu faire. Faut quand même voir qu'à ce moment-ci de la bataille, on est relativement à ex aequo. Même si pendant tout le début de la bataille j'ai eu un gros avantage sur lui, parce que tout simplement il s'est pris les tirs de mes tours, ce qui l'a amoindri de l'armée. Et oui. Donc il a fallu attendre pas mal de temps avant que le truc se remette à peu près à égalité. Et il faut savoir qu'il est arrivé en bataille avec plus de troupes que moi. Donc théoriquement il était censé avoir Ouais, mais j'attaquais aussi, hein, c'est pas parce qu'on est... Ouais, enfin ouais. Je t'ai laissé prendre les murs quand même, hein, relativement. Ça a discuté. Mais là j'essaye avec mes arbalétriers sur le pont de faire un tir direct, mais ils arrivent pas. Parce que oui. ça aurait fait beaucoup de TK, je crois que tes troupes d'infanterie de ligne auraient pris énormément de pertes si t'avais réussi à tirer. Non, mais en fait, ce que j'essaie de faire, c'est qu'avec mon élite, de pousser, comme ça, ils descendent la petite pente, comme ça, mes arbalétriers se mettent à leur place, et tu vois, là t'as un tir direct. T'as un bon angle, et là, ouais. Ça fait un carnage, quoi. Ouais, si le jeu est bien fait, théoriquement, ouais. Mais franchement, le jeu est vachement bien fait, je trouve. Ici, vous voyez, il y a les sortes d'entrepôts à côté des quais qui sont en feu. Et mes troupes à côté ne se prennent pas nécessairement de dégâts en fait, et ils brûlent pas ni rien, et ça je trouve ça pas super bien fait. Si vous voulez pousser un peu plus loin le système de feu qui se répand dans toute la ville, vous devriez pouvoir avoir des dégâts à chaque fois qu'une troupe se fait un peu brûler. Donc merde, j'ai pas pu voir, les civils se sont barrés ou les civils se barrent quand okay. Les ennemis sont à proximité. Ils se barrent. Et là, je suis en train de souiller tes lanciers, mais ils tiennent. Et ça m'énerve. Ouais, les lanciers, ils ont quand même bien tenu la distance et tout ça. Là, j'ai mes hachers qui ont commencé à bouger. Je les ai fait redéployer ici, en fait. Je les ai fait reposer là où il y avait mes arbalétriers. Là, j'ai commencé à faire bouger mon infanterie de mêlée. Je les ai mis en face de la petite ruelle qui est ici, parce que je sentais déjà mes lanciers qui allaient craquer, parce que franchement ils ont plus beaucoup de troupes, hein, là à ce moment là. D'ailleurs je vais faire une insert. Donc si vous appuyez sur la touche insert, vous retrouvez le mode vue de la bataille, hein, qui est quand même pas mal. Là on est occupé à voir tes troupes qui sont occupées quand même à me repousser moi même, qui me font quand même assez mal. À chaque fois je voyais tes lanciers qui venaient et je me dis mais pourquoi ils chargent avec ses arbalétriers, ça va pas fonctionner ni rien ou des trucs dans le genre. Au final en fait il essayait juste de me tirer dessus, il y arrivait jamais. C'était pour rentrer direct, parce que donc, j'aurais pu percer ton front et ça aurait été beaucoup mieux. Ici on voit mes
Mais lancier donc qui fuit, qui commence à fuir parce que tout simplement il ne pouvait rien faire. Donc celle-ci a fait 14 de morts, enfin 14 morts et l'autre 19. Donc elles ont vraiment pas fait beaucoup de dommages, mais elles ont tenu relativement longtemps face à de l'infanterie d'élite. Donc franchement, je pouvais pas espérer mieux de leur part, sauf le fait qu'ils fassent plus de morts. Ouais, et Donc ta voilà. tour a une cadence de tir assez importante et elle m'a bien fait chier, hein, ta tour, ça. Oui, mais elle m'a fait aussi 2-3 TK. Hein. Ouais, ça Il c'est sûr. y a quelques flèches qui me sont arrivées en plein dedans. Mais il est vrai que la tour est assez abusive à ce niveau-là. Elle tire assez rapidement et fait des dégâts énormes. Elle a aussi cramé tout un quartier ici. Enfin, pour une tour qui est à nous, on aurait espéré qu'elle ne brûle pas notre propre territoire. Donc là, il a mis quelques secondes quand même à bouger ses unités. C'est ça qui m'a permis de mettre mes arbalétriers juste dans l'angle, et vous allez voir qu'il va faire des dégâts absolument prodigieux sur ses infanteries d'élite, hein. Donc là, il s'est arrêté en plein milieu, il disait ouais, ils vont arriver au cac. Et là, vous avez le tir direct et le tir en cloche. Franchement, le tir direct lui avait fait très mal, le tir en Mais ouais, cloche, pas t'as tellement. combien de temps là? T'as combien de temps toi? Je suis à 10 minutes 32. Ah, ok, t'en avances. Donc moi personnellement, quand je vois ça, je me dis waouh, c'était super beau. Donc j'ai pas bougé mes tirailleurs qui ont fait un taf tout à fait magnifique tout au long du truc. J'ai ramené quand même mon infanterie de mêlée pour pouvoir les avoir au début. Et j'ai remarqué un autre truc, c'est que les archers, quand tu leur demandes en feu direct, par exemple, d'attaquer tes arbalétriers qui sont plus loin, ça ne touchera pas tes unités. Donc mes unités d'infanterie de mêlée, là, elles n'ont absolument rien eu, alors que je tirais à peu près au-dessus de leur tête, à 2-3 cm près, c'était bon, quoi, tu vois. C'est peut-être un coup de chat, hein. Non, 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 parce qu'ils ont fait le tir plusieurs fois d'affilée, donc. Quand tu as une infanterie de mêlée qui se bat tout près et que tu décides de tirer sur enfin sur d'autres troupes qui sont beaucoup plus loin, eh ben tu ne toucheras pas ton infanterie de mêlée, mais les autres troupes qui sont plus loin. Mais il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que pourquoi tu fais avec des arbalétriers, pourquoi tu fais des tirs enflammés? Parce qu'ils ont ils ont déjà un bonus de perforation d'armure. J'aurais pu faire des tirs lourds, ouais, c'est vrai. Enfin, moi je vois pas l'utilité de les tirer. Les tirs lourds auraient fait plus de pertes, enfin ça c'est théoriquement qui aurait fait plus de pertes, mais les tirs enflammés ont un bonus absolument effroyable contre le moral. Et donc Non, c'est plutôt pas non, mal. les tirs enflammés, pas sur ce jeu, hein, il me Si, semble. les tirs enflammés, j'ai regardé à un moment, je crois que c'est moins 90 de morale avec Ah les ouais, tirs bah, enflammés. pas Donc mal. je me suis dit, allez, je vais laisser les tirs enflammés, ils vont se barrer tout seuls, tu vois. Donc je me suis dit ça à ce moment-là. Ici, j'ai vu qu'ils voulaient pas du tout se battre au niveau des autres ponts, donc j'ai fait tout simplement bouger mon infanterie de hache pour pouvoir rejoindre le combat de l'autre côté. Et ici, j'ai déployé les deux infanteries de hache qui étaient restées sur la grande place pour pouvoir venir soutenir les unités d'infanterie de mêlée que j'avais là-bas. Et là, je suis bourrin et t'aurais pu vachement bien m'encercler, mais je vraiment fait le bourrin là. Dans la précipitation, on se fait Ouais, défoncer. il a déployé toutes ses troupes en fait. Il a mis ses archers aussi un peu n'importe comment. Il les a laissés L'ennemi refuse d'admettre la défaite. Leur sur unité sera liée. les, comment dire, sur les ponts, alors qu'il aurait pu aller sur la route et Mais. faire des tirs directs Non, mais qui auraient justement, fait sur plus le de pertes. pont, t'es un peu plus en hauteur, donc les tirs directs, normalement, ils sont un peu plus faciles, mais. Là, Mais c'est un balletrier et puis je rien, donc. comme tu peux voir, la 3/4 de tes tirs étaient des tirs en cloche. Hein. Oui, c'est parce qu'il y a la putain de maison là qui veut chier, quoi. Hein. Alors ici par contre il avait super bien joué. Si mes troupes d'infanterie de hacheurs n'étaient pas venues, bah ça aurait super bien marché parce qu'il a fait un petit contournement. Heureusement mes troupes de hache sont arrivées pile au bon moment Ouais, ça pour sauver vraiment mes arbalétriers, quoi. t'as vraiment eu de la chatte sur ce coup-là, t'empêche. Ouais, j'ai eu beaucoup de chat. Et donc la seule qui a pas bougé de toute la game, c'est la troupe de piqué qui était là-bas. À un moment, elle va boucher quand il y a une de ses troupes, je crois que c'était une infanterie de lancer qui va bouger pour essayer de passer par ce pont-là et faire un encerclement. Pas de bol, j'avais pas bougé l'unité depuis le début. Donc voilà.
ici on peut voir que t'es occupé à prendre la tour avec ton unité de lancier qui se fait quand même hacher menu par cette tour. Ouais, c'est abominable, hein. Ça me les a brisés plusieurs fois. Hein. Ouais. Et on va normalement pouvoir voir qu'une fois que t'auras pris la tour, théoriquement, quand elle va s'effondrer, ça va pas faire de perte à ton unité. Mais franchement, elle a fait énormément de pertes à cette unité de lancier. Là. Et là, ce que je comprends pas, c'est que ton infanterie, c'était tes épéistes. Comme la Rome d'Orient n'a pas des épéistes exceptionnels, je me dis, ah, c'est bon, mon élite va les défoncer. Mais je sais pas pourquoi, mais tes numéroi m'ont souillé, mais d'une façon très. Très. Comment dire ça? C'était pas catholique. Mais ils ont une super bonne défense en mêlée, en fait, c'est surtout ça. Ouais, et là, mon contournement qui foire, mes unités qui sont massacrées. Parce que ouais. Les hacheurs, franchement, quand vous pouvez les prendre, prenez-les. Voilà, et en fait, ce qui a fait le plus de pertes à mes hacheurs, c'est clairement ces arbalétriers qui étaient derrière. Heureusement, moi, j'ai ramené les miens. Comme tu peux encore voir, j'ai fait un tir direct sur tes arbalétriers qui étaient de l'autre côté, sans faire aucune troupe à mes hacheurs. Enfin, sans faire aucune perte à mes hacheurs. Non, mais je... Ouais. Parce que moi, le problème, c'est que je voyais pas tes troupes, et toi, tu les voyais toutes, donc... Je les voyais pas tout à fait toutes, non. Ah bon, je croyais qu'on pouvait pas cacher quand un assaillant de cité, je croyais qu'il pouvait pas cacher ses troupes dans la ville. Déjà au début, je voyais pas du tout les troupes que t'étais occupé à ramener vers mes murs, je les voyais pas du tout jusqu'à ce qu'ils soient à bonne portée pour mes tours. Et une fois que t'as niqué mes tours, en fait, je voyais pas trop bien les troupes qui étaient à l'intérieur de la cité. Il a fallu que j'attende un peu que tu avances et que tu te fasses choper par mes pièges, en fait. Et là, je vois que j'ai quasi plus de réserve. Mon unité là près de la tour qui chambranche, et bon, c'est bon, je crois pas que j'ai gagné. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est j'envoie mon général au point de victoire, hein, le plus vite possible, parce qu'il faut 150 secondes pour gagner, même si on a un fret numérique qui est niveau qualité, toujours très utile. Malheureusement, tu vas le voir. Oui, je l'ai bien vu. Franchement, moi j'observe super bien la carte pendant les parties et tout le bazar. Et je me dis, ok, où est-ce que je peux intervenir ailleurs que là où je suis déjà occupé à intervenir, et qu'est-ce que fait l'autre ennemi? Et là, j'ai tout simplement vu ces cavaliers de généraux qui allaient vers mon général. Et du coup, j'ai ici les deux troupes de hacheurs qui se sont dirigées en fait vers le point de victoire. J'avais mon général qui était déjà sur place depuis le début. Et en fait, son unité de général à lui, elle n'était déjà plus très très. Enfin, optimum, elle était déjà en grande fatigue à ce moment-là. Seulement, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule montée. Je pensais que c'était celle-ci parce que je voyais pas l'autre montée au début. Et après, quand je me suis rendu compte qu'il y en avait une autre, j'ai chargé avec mon général. Donc, à ce moment-ci de la bataille, tes unités se font laminer. Ouais, simplement. Elles se font latter la gueule. Ici, je viens de remarquer que j'avais une unité d'épéistes qui s'était fait. Qui était repliée et qui est revenue après au combat, donc je l'ai renvoyé tout simplement. Ici, comme vous pouvez le voir, l'ennemi est au corps à corps avec l'unité qui était juste devant, donc j'ai fait énormément de TK. Donc j'ai tué énormément de mes troupes à moi en faisant mes volées de flèches. Voilà quoi. Je vais bientôt devoir essayer de tenir seulement avec mes unités d'arbalétriers pendant que les autres unités d'arbalétriers vont faire un carnage dans les troupes. Ouais, évidemment, lui il bougeait plus trop. À mon avis, il sentait la défaite venir à grands pas. Et donc ces épéistes ont mis quand même quelques secondes avant de bouger. Pour l'instant elles bougent toujours pas. Ou alors tu t'occupais peut-être de ton général qui vient de se faire charger. Non, je m'occupais sur le pont devant ton infanterie de piqué en fait. J'étais en train, je voulais faire un tir direct sur tes piqué et voilà. Ouais, donc moi ce que j'ai fait, j'ai laissé une unité de hacheurs continuer à aller vers son général qui se faisait... Enfin, il se faisait pas grandement déborder, mais il prenait plus de pertes que moi dû à sa fatigue en fait. Donc j'ai estimé qu'une seule unité de hache était suffisante. Et j'ai envoyé la deuxième unité vers le pont au cas où on devrait tenir. Là j'ai remarqué qu'ils ont fait demi-tour tout simplement pour me tirer dessus. Donc j'ai fait intervenir
mon unité de piquier et mon unité de garde de l'héraïque, donc pour pouvoir charger. Ils ont pris quand même énormément de pertes au niveau des lances projectiles. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il faut essayer de ne pas mettre ces unités là au feu, ou en tout cas un minimum, pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Ici, j'ai pas trop bien compris ce que t'avais fait avec tes épéistes. Tu les avais fait attaquer, après tu les avais fait rebrousser chemin, et franchement, t'aurais dû attaquer mes arbalétriers, t'aurais fait plus de pertes qu'en ouais. essayant d'avoir mes hacheurs qui étaient plein potentiel, ou enfin presque. Mais en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est limite envoyer une unité sur tes hacheurs ou tes arbalétriers et envoyer le reste sur un des deux. Parce que là, j'aurais gagné un peu de temps, mais j'aurais pas remporté la victoire. Ça, c'est... Non, la victoire, tu l'aurais de toute façon pas remporté, à mon avis, parce que là, il était déjà trop tard, en fait. Ouais, clairement. Ton général va pas tarder à mourir. Il s'est pris quand même fameuse perte avec mon général qui a presque rien pris du tout. Et il y a les hacheurs qui sont venus l'aider, mon général, pour être sûr de pouvoir battre le tien. Ici, ton infanterie des pays s'est fait hacher menu par mes hacheurs, justement. Mais c'est de l'infanterie lourde, hein, et tes hacheurs, l'infanterie lourde, c'est ce qu'ils aiment, donc, enfin, ils aiment à peu près tous les hacheurs, sauf les flèches, mais, enfin, je me suis fait défoncer sur cette partie. Hein, ouais, donc ici, on a les arbalétriers qui ont fui face à mes hacheurs parce qu'ils ont fait un taf fantastique. Ici, on a d'autres hacheurs qui sont occupés à détruire ce qu'il lui reste d'unité, en fait, tout simplement. Il ne restait pas grand chose. Et voilà, la partie est donc maintenant terminée. Je fais arrêt de la vidéo et vous allez voir donc les statistiques. Donc, mes arbalétriers ont quand même fait un magnifique travail. À ce niveau-là, j'ai vraiment pas à me plaindre parce que les tirs directs étaient vraiment une aubaine. Mes hacheurs qui ont fait 238 pertes à ce niveau-ci, 194 à ce niveau-là. Et les deux autres n'ont pas fait énormément, mais ils sont restés en retrait tout le long de la bataille. Du coup, ça peut être compréhensible. Tu m'as défoncé, c'est clair et net. Mes lanciers n'ont pas fait énormément de victimes, mais ont très très bien tenu le coup que mes autres unités arrivent. Ça m'a fait chier, par contre. Mes piquiers qui se sont pris quand même assez cher au début. La deuxième unité aurait pu être plus utile un peu après si j'avais décidé de la bouger plus tôt, mais ça n'a pas été le cas. Mais mes Numenori ont quand même bien tenu face à ton infanterie d'élite, mais n'ont pas fait énormément de pertes non plus. Par contre, ton infanterie d'élite a fait énormément de pertes quand même. Il y en a quelques-unes qui ont fait beaucoup de pertes, mais il y en a ceux qui ont pris les deux tours là, ils ont fait 22 et 14 pertes. C'est pas beaucoup. Et il y en a deux qui ont fait. Il y en a une qui a fait 75 et l'autre 86, c'est pas énorme. Il y en a trois qui ont bien bossé, mais le reste, voilà quoi. Ouais. Mais ça pas les trier, ça va. Ils auraient pu faire plus, mais l'enchis, ils ont fait que de la merde. Mon général Ushi, ils font. Ouais, voilà. Les seules unités qui ont été vraiment d'un secours inestimable, c'était... moi, je dirais plutôt que tu as eu 5 unités d'infanterie d'élite qui ont fait quand même un beau travail. Celle qui a fait 75 morts, 86, 132 et 102, ainsi que celle qui a fait 92 pertes. Ouais. Et celles-là qui ont été dominantes de tous côtés de la partie. Ouais. Ensuite, tes arbalétriers ont quand même fait un bon taf vu. Ouais, vu aussi, que... ouais, les miens ont fait un meilleur taf encore même. Ouais. c'est parce que je les avais mis correctement. Donc, franchement, des nations à pas sous-estimer, surtout en campagne, lorsqu'ils ont eu le temps de se développer et ont survécu à la première vague de migration, c'est franchement les deux Roms qui ont des unités hyper cheaté à la fin comparé aux autres nations. Maintenant, il faut essayer d'arriver à la fin, enfin au dernier échelon des unités de combat des Romains. C'est assez dur d'y arriver. Du coup, franchement, en campagne, ils sont pas très recommandés parce qu'ils se font latter la gueule assez rapidement. Mais franchement, en partie multijoueur, vite fait comme ça, ils font un taf formidable. Ils ont quand même bien bossé des deux côtés. Et contre des troupes barbares, ils font extrêmement mal. Je l'ai vu trois fois.
Mais franchement, je crois que la Rome dorée est plus forte parce qu'ils ont des piquiers. Ils n'ont pas spécialement une meilleure infanterie, mais ils sont très bons, de très bons hacheurs. Ils ont le meilleur lance-projectile, il me semble, niveau cavalerie. Ils sont aussi plus forts, donc moi je prendrais la Rome dorée hein, si je devais choisir entre les deux. Ouais, bah moi aussi en fait. Maintenant, je prendrais clairement la Rome d'Orient parce qu'on a fait deux parties, je crois, avec la Rome d'Occident. Et c'est à chaque fois fait défoncer par la Rome d'Orient. Une fois, ça a été mon ami Rédemption qui s'est fait défoncer avec la Rome d'Orient, et l'autre fois, c'était moi. Donc voilà. Mais sur 4 parties, je t'ai défoncé 3 fois. Oh, bah oui, ah, ça va, t'as la pète Hein. pas. Non, c'est Donc parce que je me voilà. suis fait latter la gueule, donc ça pourrait aussi Cet mon niveau. épisode a duré quand même assez longtemps, donc on va abréger maintenant. On va se dire au revoir et on va se dire à plus pour d'autres vidéos.